Bien bonjour chers amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Ça faisait... Oh, ça fait... Non, finalement, ça fait pas si longtemps que ça qu'on en a pas fait une. On va faire un petit haul aujourd'hui. Enfin, petit, non. Il va être plutôt important puisque nous avons un maximum de choses à déballer. J'ai fait énormément de commandes ces derniers jours. Vous en avez une partie ici, mais ce n'est qu'une petite partie. Je dirais, j'estimerais ça à peu près la moitié, un tiers. De ce que je vais vous présenter. Donc comme vous pouvez voir, il y a du carton Amazon, il y a du Lego qui a été acheté en Lego Store, il y a du Lego qui a été acheté chez Jouet Club, on a vraiment un peu de tout. On a du Hidden Side, on a du Hidden Side, on a du IDs, on a du City, on a des calendriers de l'Avent qui sont là. Donc je vous ai présenté tout ça, je vais aussi vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a tout ça à ouvrir. La vidéo va être en plusieurs parties, je vais faire ça par thème et j'essaierai de vous poser les time codes dans la barre de description. Donc si vous voulez voir spécialement les achats City ou spécialement les achats Hidden Side ou je ne sais quel autre gamme de Lego, et ben je vous invite à aller dans la description de checker les time codes. Voilà, on va commencer directement, je vais débarrasser ce qu'il y a devant vous et je vais commencer donc avec les Lego City. C'est parti. Ok, donc c'est parti avec les Lego City, on commence et j'ai acheté 5 boîtes Lego City. On a du pompier ou du policier, dépendamment de ce qu'il y avait un peu sur Amazon, tout ça, puisque c'est à peu près là-dessus que j'ai acheté toutes les boîtes City. Il y en a deux que je crois que j'ai acheté chez Jouet Club. Bref, j'ai chassé des promos, tout simplement. Donc, en termes de City, nous avons en premier la voiture du policier, la 60239, voilà, qui est un tout petit set, qui doit coûter dans les 9,99€. Donc, vraiment, c'était histoire d'avoir une petite voiture. J'ai ensuite acheté le 60214, qui est le restaurant... Enfin, le feu au restaurant des hamburgers. Donc on a un camion de pompiers, on a un restaurant de burgers avec une petite moto de pompiers et un petit bonhomme qui appelle au secours. Ensuite il y a la 60173 qui est là le cambriolage dans la montagne, qui est une boîte que je n'ai pas encore ouverte. Il y en a certaines que j'ai ouvertes, celle-là non. Donc de toute façon tout sera monté hein. Donc voilà, avec un hélicoptère et une petite cabane dans les bois dans la montagne. Ensuite nous avons la 60209 qui est le vol du diamant, avec là encore un hélicoptère, cette fois-ci qui n'est pas de la police, mais des méchants, enfin des méchants, des bandits, et une voiture, un petit camion, un fourgon blindé policier. Donc là, on a du Lego City Police, donc ça, ça a été monté déjà. On va faire un tri, regardez, on va faire quelque chose d'intelligent. Hop, on va mettre tous les City Police d'un côté, et enfin, en dernier set, Lego City, c'est la caserne pompier numéro 60215, donc voilà, qui est on va dire, le masterpiece des sets City Pompiers. Là, le petit avantage qui présente cette gamme que je n'avais jamais vu réellement auparavant, c'est que dans chaque set, il y a, on va dire, quelque chose d'effet. Donc là, on a de la lumière et du son. Ici, on a un shooter de filet. Ici, je crois que j'ai un canon à eau, voilà, qui est ici. Hop, le petit canon à eau. Et dans cette boîte-là, on a aussi des effets son et lumière. Du coup, voilà, ça c'est plutôt cool de la part de Lego d'avoir instauré des petites fonctionnalités comme ceci. Voilà pour ce qui est des Lego City. On va désormais passer à la gamme Lego Minecraft. Bien, on continue avec la gamme Lego Minecraft. Donc là, cette fois-ci, j'ai acheté deux sets, le 21142 et le 21147, qui sont, ma foi, assez récents, je crois. Du moins, qui datent pas de l'année dernière. Donc, nous avons l'igloo avec Alex Trey et un ours polaire et un petit ours polaire. Donc, c'est un set qui avait l'air assez intéressant, qui a un rapport qualité-prix, je crois, qui est très très bon. On va le monter et on va surtout en faire les reviews sur la chaîne. Donc, un nouveau thème qui arrive sur la chaîne après les Star Wars et les Harry Potter, ce sont les Minecraft qui arrivent. Et puis, en deuxième set, nous avons les aventures souterraines, donc la boîte numéro 21147, qui pareil sera montée et on fera une review sur la chaîne. Donc un set plutôt grand qui fait un peu écho à ce qu'il y avait eu le grand set de la mine, qui n'est plus du tout commercialisé ou alors à des prix exorbitants. Ouais, c'est un peu un set plus petit. Pour l'instant j'en ai acheté qu'un seul, mais pourquoi ne pas en acheter un deuxième, parce que je pense qu'il serait combinable. Du coup ça pourrait faire vraiment une grande mine souterraine, à voir, je ne sais pas encore. Je vais acheter pas mal de sets Minecraft, j'en ai déjà, donc je vous présenterai tout ça dans une vidéo qui sera dédiée, mais voilà, on va aborder ce nouveau thème sur la chaîne. Les Review City, je vous en ai pas parlé, j'en ferai peut-être quelques-unes des nouveaux sets, mais voilà, vous allez voir que dans les prochains mois, il y a beaucoup de nouvelles gammes qui vont arriver sur la chaîne, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications, je vous glisse maintenant, et comme ça, vous serez averti de toutes les reviews qui sont en cours. On enchaîne avec la gamme Avengers. Alors cette fois-ci, celle-là, je pense que ça sera une des seules que je ne vous présenterai pas sur la chaîne, tout simplement parce que même si c'est un univers que j'aime beaucoup,
Il y a énormément d'autres youtubeurs Lego qui vous ont présenté toutes ces gammes. Je pense notamment à Geekmitri qui fait ça bien mieux que moi, en tout cas sur les 7 Avengers, puisqu'il est un Avengers fan, on va dire. Du coup, cette fois-ci, deux sets que j'ai achetés, le 76123, le Captain America Outriders Attack, donc avec Captain America et 3 Outriders. C'est vraiment la première fois que j'achète des Lego Avengers, donc c'est vraiment du testing. Et puis bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du 76125, la salle des armures d'Iron Man, puisque c'est mon héros Avengers préféré, on va pas se mentir. Tony Stark, c'est le tonton, c'est le parrain. Donc voilà, la salle des armures avec 4 armures dedans, la Iron Man MK1, la MK2, la MK41 et la MK50, je sais, j'étais un peu long, j'avais du mal à lire, et 2 Outriders, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est vraiment le set incontournable. Je verrai si j'en achète un peu plus, non, je crois que c'est prévu, j'ai des petits achats à effectuer à droite, à gauche, donc je vous tiendrai au courant s'il y a des Lego Avengers qui arrivent. J'en profite aussi pour vous dire, cette fois-ci, dans la partie Avengers, que vous pouvez me suivre sur Instagram pour avoir des petites stories des achats que j'ai fait et que je vais faire. Donc là, pour l'instant, j'avais pas fait ça parce que je voulais vous faire une vidéo haul de tous ces achats du moment, mais pour les prochaines fois, quand j'achèterai un set à droite à gauche, je posterai ça sur Insta. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, c'est SangoLego, c'est très simple, et c'est tout dans la description, c'est magique. On enchaîne maintenant avec deux gammes différentes, tout simplement parce que j'ai pas encore reçu ni ce qui concerne celle-là, ni ce qui concerne celle-là, puisque j'ai commandé chez Lego, donc ça arrivera une prochaine fois. Alors si ça arrive pas trop tard, ça sera rajouté à cette vidéo, sinon ça fera l'objet d'un autre haul. Écoutez, ça nous fera des petites vidéos en plus. Donc, du Ironside et du Friends. Alors le Friends, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il pète complètement des câbles. Non, c'est pour un projet dont je ne peux pas vous parler pour l'instant, mais je vous en parlerai très bientôt. C'est le plus gros projet de toute ma vie, finalement. Finalement, c'est tout ce qui va concerner ma carrière pro, mon avenir, etc. Donc je veux ficeler tout ça avant de pouvoir vous le présenter, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc j'ai pris du Lego Friends pour ce projet, donc c'est la boîte numéro 41380, le phare de Earthlake City. Écoutez, le Lego Friends, j'en avais déjà monté avec d'autres gens, j'en ai pas ici, c'est la première boîte que je vais avoir. Donc voilà, c'était le premier set, il y en a d'autres qui vont arriver, il y aura aussi du Lego Disney, je vous le tease, qui arrive de chez Lego. Et j'ai enfin craqué, j'ai acheté la première boîte Ironside de toute la gamme que je vais acheter, je pense. C'est vachement sympathique. J'avais vu pas mal d'avis, de reviews sur cette gamme. Et puis bah voilà, j'ai franchi le pas moi aussi. Je suis un peu facile à convaincre. Donc voilà, la gamme Ironside qui commence avec le laboratoire de, je ne sais plus comment elle s'appelle, de GB. Donc voilà, écoutez, c'est vraiment super sympa à construire. C'est rafraîchissant, c'est plein de nouveautés. Il y a l'aspect téléphone portable, etc. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà pour les deux boîtes des gammes un petit peu autres que j'ai commandées. On continue avec deux gammes que je vais regrouper sous la bannière des gammes design, puisqu'elles sont vraiment très très jolies. J'en avais pas acheté pour l'instant, mais cette fois-ci c'est fait et j'en ai acheté en masse et je vais en réacheter derrière parce que c'est vraiment hyper joli. Je vous parle des gammes IDs et architecture. Alors les gammes architecture, vous savez, Brickinvest les collectionne et il a complètement raison, c'est hyper beau, c'est hyper design, ça se fond dans un salon moderne, ça se fond dans une chambre, c'est vraiment hyper stylé, c'est du Lego qualitatif de ouf, hein. Ça fait plus du tout jouet, on est sur quelque chose de très maquettiste. Je sais pas si ce mot existe, mais il va exister à partir de maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le Londres qui a déjà été monté par des petites mimines expertes dans le montage de Lego Architecture. Pareil pour ce qui est du IDs, des deux IDs que je vais vous présenter. Donc voilà, en architecture, on a le Londres et on a le New York, les deux boîtes, donc 21028 et 21034 que vous pouvez voir ici. Voici New York et voici Londres, Londres que j'ai eu deux fois. Donc voilà, il y en a une qui a été montée, c'est vraiment hyper stylé. Ça ira dans mon décor que je vais vous présenter très prochainement. Il y a un nouveau décor qui arrive et il envoie plutôt du Stekos. Et en Lego IDs, nous avons la bouteille, le bateau dans la bouteille, le 721313 et le 721315, le livre pop-up. Deux pièces vraiment très très belles, vraiment très très design, très très graphique. Je n'ai pas d'autre adjectif pour les décrire que très très. Conquis par cette gamme IDs, je vais acheter le set Friends, donc le... j'ai oublié le nom du restaurant, mais voilà, vous voyez bien de quoi je parle. Mais voilà, vraiment, il y a des très très gros sets. Très très joli, on me lance des choses dessus. Mon assistante fait n'importe quoi. Vraiment, IDs et architecture, si vous aimez les Lego soft, les Lego sobres, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est top top carotte. On en termine cette fois-ci avec les Lego classiques. Alors là, c'est peut-être la grande surprise. J'en ai besoin pour mon projet que je vous tease, mais dont je ne peux pas vous parler. Mais voilà, c'est rare de voir du Lego classique dans des Lego Halls. En tout cas, pour tout le Lego Hall que j'ai vu, j'en ai rarement vu, du coup, des Lego classiques. Là, il y a deux boîtes et il en manque. Il me manque les grosses boîtes de Lego classiques, celle avec les 1500 pièces. Celles que j'ai aujourd'hui, ce sont des 900 pièces et la boîte de construction rangement. Donc la 10696 et la 11005. Voilà, donc c'est les boîtes de Lego
niveau classique, au final, c'est pas si mal. On a pas mal de petites pièces qui peuvent être intéressantes. Alors, bien évidemment, acheter tout ça pour seulement quelques pièces, j'avoue que c'est pas le meilleur deal. Mais voilà, on a des petites pièces en sand, on a des petites pièces en dark brown et en brown, on a des pièces en gray, etc. Alors après, il y a toujours des couleurs qui sont un peu moins intéressantes que d'autres. Il en va de même pour les 7 Lego classiques 900 pièces. Voilà, vous avez la liste des pièces sur le côté. Donc c'est toujours assez intéressant de voir, par exemple, là vous avez du dark sand, etc. C'est pas des pièces en énorme quantité, mais bon, 900 pièces, ça fait toujours le job. Je les ai pas ouvertes, je vais pas les ouvrir, c'est réservé. Donc à ce projet dont je vous parle d'ici un gros mois sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira. Et puis on arrive au bout de ce haul. Comme je vous l'ai dit, il y a des Lego Disney et d'autres surprises qui vont arriver de la part de Lego normalement demain, donc je pense que ça sera rattaché à cette vidéo. Il y aura juste une petite coupure pour moi de 24 heures, pour vous de à peine quelques secondes. Si jamais ça n'arrive pas demain, je vous fais cette petite outro maintenant, comme ça elle est faite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Écoutez, ça a été un gros haul, il y a eu pas mal de choses à déballer. On est sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, c'est le plus gros haul que j'ai jamais fait sur cette chaîne. Ça a été vraiment sympathique de tout vous présenter. Maintenant il va falloir tout construire, donc là ça va être encore du très bon temps. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, et ça sera à la rentrée 2020 que on reprendra les lives. Je vais vous en reparler bien plus tard, donc dans l'année, mais aussi bien plus précisément, mais il y aura des lives de construction sur cette chaîne enfin, depuis le temps que j'ai envie de mettre ça en place. Voilà, des lives de tente où je prendrai un set, je le construirai avec vous et on tchatchera à la bonne époque. Donc voilà, ça sera en 2020. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner aussi sur la chaîne. On va passer les 1200 abonnés, c'est vraiment génial. À activer la cloche de notification, donc pour avoir les reviews des sets qui vont arriver. Je vous ai dit, il y aura du Minecraft. Je pense vous présenter aussi peut-être finalement les sets Friends ou les choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir tout ça et pour voir aussi les reviews des nouveautés. Je vais faire plus de reviews puisque c'est un format que j'aime bien faire, vous donner mon avis. J'aime beaucoup faire ça. Je vous invite aussi à aller voir les précédentes vidéos, notamment la vidéo du part-out ou la vidéo de comment choisir son meilleur set Lego, où je vous donne aussi des astuces pour toucher vos sets moins chers. C'est en partenariat avec Brick Invest et c'est une vidéo aux petits oignons. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne matinée, journée, soirée, indépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.